Salut les gars, c'est Francky Desbois. Bon, une fois, je suis devant un fond vert. Et bon. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un site internet qui est très très bien. C'est Car Vertical. Parce qu'avec Car Vertical, vous allez pouvoir checker le numéro de VIN d'une voiture avant de l'acheter pour checker si elle est vérolée. Si vous voulez acheter une voiture en Allemagne, en Turquie, en Pologne, où que vous vouliez, vous allez pouvoir savoir si elle a été retapée, si elle a été accidentée, si tout, bon, en fait, vous saurez tout de la vie de la voiture. Moi, ça m'a permis de savoir que la RCZ qu'on a achetée était finalement en très bon état. Par contre, quand on a passé la DBS, si vous vous souvenez bien, qui elle était accidentée et on ne nous l'avait pas dit, avec même un kilométrage beaucoup plus élevé que celui qui a été censé avoir, et ben après coup, quand j'ai découvert Car Vertical, ça disait bien qu'elle était avec un kilométrage beaucoup plus élevé que celui qui était au compteur. Je vous mets en description et là, ici, normalement, en bas de l'écran, un petit code promo pour avoir une réduction sur les rapports. Ça fait plaisir, c'est cadeau de la maison. Et comme ça, vous pourrez kiffer. D'ailleurs, vous verrez que Car Vertical, pendant le Grand Tour, là, pas dans cet épisode-là, mais un peu plus tard, on les rencontre et ils nous font faire un truc de ouf sur un circuit. Alors, je vous dis bon visionnage, kiffez bien ce Grand Tour et à très vite. Bon, salut tout le monde. Comme vous avez pu le voir dans les petites bribes de vidéos qu'on a fait avant, on est à Tallinn en Estonie, c'est la capitale de l'Estonie. Richard et Geoffrey nous rejoignent dans la journée. Ils sont dans l'avion à Francfort en transfert pour l'instant. On est arrivé hier soir parce qu'il fallait qu'on sécurise les positions de la France. On va bientôt partir pour le tout premier Grand Tour, l'édition soviète. On va vous expliquer un peu tout, mais d'abord on vous fait visiter Tallinn parce que c'est stylé. Allez, suivez le gang. Tallinn, une ville médiévale, comme vous pouvez le voir, on a des tours, des murailles, des gens qui font des processions dans la rue. On va aller voir la place centrale de la ville parce que vraiment, c'est un truc à voir. De Tallinn, cœur du village médiéval. Que des restos, des attrapes touristes, mais en vrai ça marche plutôt pas mal. Je pense qu'on a trouvé l'endroit parfait pour décorer nos voitures. En rouge sur le chapeau, là, c'est chaud. Genre, c'est dry. Your size. Ah, c'est trop petit. Non, maybe. C'est pas. French? Tu veux pas Francouzski? C'est encore pire. Il y a Francouzski et Ruski. On est sur ce qu'ils appellent la viewing platform où tu peux voir absolument toute la ville. Donc bien saisir le contraste entre modernité du quartier des affaires au fond et la tradition du quartier de la vieille ville. Voilà, maintenant je vais arrêter de faire Stéphane Bern. Bon, et ben la voiture est déjà là. Ça, c'est la mienne. C'est une Moskvitch 412 que j'ai choisie. C'est la même bagnole qu'ils ont produit des années 60 jusqu'aux années 90. Je sais même plus de quelle année elle est, honnêtement. On a un peu pris les premières annonces qui nous convenaient et qui pouvaient faire que le mec nous la vende, parce que souvent les gars répondent pas. Surtout quand tu dis hey, je suis français, je débarque dans deux jours, vends-moi ta bagnole. Eux, ils ont été très cool. Et donc, on m'avait dit qu'il y avait un budget de 3000 euros. Donc, j'ai acheté une voiture à 3000 euros. Elle était à 3005, j'ai réussi à négocier le prix. Et du coup, ils ont mis des stickers de pub dessus. Okay. Oh, ok. C'est le monsieur qui m'a vendu la voiture et qui m'a fait le truc avec tous les jolis stickers. On peut voir qu'il nous a mis des stickers. Tu emmènes la Moskvitch d'Estonie jusqu'à France. C'est plutôt cool. Quand je lui ai raconté ce qu'on allait faire, donc il m'a baissé le prix de 500 euros. Il m'a changé les pneus, changé l'huile, changé normalement le liquide de frein aussi. What's your model is it? Moskvitch, Danish Grand Prix. 400. Oh yes, but what year is 1982. 76. Okay. 1976, la voiture. What do I need to know? Non, ça faut pas le boire, c'est de l'huile moteur, mon gars. J'ai jamais vu de l'huile moteur dans une bouteille comme ça.
Je sais pas si c'est bon signe quand on te livre une bagnole et qu'on te donne du liquide de refroidissement, de l'huile et du liquide de frein. C'est-à-dire qu'il faut faire des niveaux. Ça, c'est du beau goût. Bel outil. Première réaction à froid, elle n'est pas aussi neuve que je pensais qu'elle l'était. Loin de là. Donc malgré que j'ai dépensé beaucoup d'argent, je suis pas sûr que je vais pouvoir vraiment arriver à bon port facilement. La ceinture, en fait, il n'y a pas d'enrouleur. C'est-à-dire que tu la ranges comme ça, voilà, comme un vieux porte-manteau. Et t'espères que bah, la mort ne vienne pas à toi. Ah, regarde, ça s'écarte. Alors, du coup, vu que le frein à main il marche aléatoirement, je suis obligé de mettre pied gauche sur le frein, pied droit sur l'axel, mettre le coupe-circuit. Et là, on va essayer de partir. Et nos premiers mètres en Moskvitch, je sais pas où on va. C'est l'enfer. Je tente un truc. C'est parti! Mec, on roule en Estonie dans une caisse de soviète. Apparemment, il m'a dit qu'à 80 à l'heure, elle est impossible à conduire. Il faut aller à 100, sinon ça tremble de partout. J'ai obligé d'aller vite. Mec, regarde les aiguilles. C'est le triangle des Bermudes, mon gars. Pour moi, il avait tout révisé. Non, non. C'est une voiture qui appartenait à un vieux qu'il a donné. On vient de caler. Qu'il a donné à son fils. Son fils, il s'en foutait un peu, il l'a mis dans un coin et genre elle est restée 20 ans sans être utilisée quoi. Donc en fait c'est une sortie de grange, juste elle est propre, c'est tout. Dans voy. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire allez. Ah bah voilà. Allez, bah, allez. Bah, exactement, dans voy. Je suis au bord de la crise de tétanie. Faut 4 pieds en fait pour conduire. Ça, tu ne conduis rien, c'est la voiture qui fait ce qu'elle veut. T'as klaxonné, elle a calé. Quand tu klaxonnes, elle cale, c'est bien ça. Ça consomme trop en fait le klaxon. T'entends le quoi ça? Ça c'est les cliquetis ça. Les cliquetis du moteur ça. Putain, on peut même pas faire talon pointe, les pédales sont trop petites. J'ai sauvé le moteur. Mais en vrai, mais n'importe qui serait complètement... Oh le pont arrière, comment il tape quand on passe les vitesses. Ouais. Pourquoi on a eu cette idée débile de faire ce... Trip, hein. Parce que tu es débile. Bon, on a vu que la voiture chauffait un peu tout à l'heure, elle était presque à 110 degrés en tout cas sur le compteur. On s'est dit c'est bizarre, c'est redescendu depuis, c'est pas trop remonté. Et là, toi derrière ta caméra, Vlad, tu viens de nous montrer un truc merveilleux. Parce qu'ici il y a un petit système qui permet d'ouvrir des volets, enfin, d'avoir à travers. En fait, vu que c'est une voiture russe, il fait souvent très froid en Russie et quand il fait froid, eh ben tu fermes, tu veux pas que l'air froid il rentre dans ton radiateur, tu veux que la voiture elle chauffe, donc tu fermes tout. Tiens, tu vas l'aider, vas-y, filme quand ça s'ouvre et aide-le un peu avec ton doigt. Bon bah au moins problème de réglé, merci Vlad. Il y a un frein qui ne marche pas. C'est bien la balle. J'en ai déjà marre au bout de 10 bornes. Et on en a 2490. Ça, c'est trop cool. Attends, ma valise. Il n'y a pas la radio donc du coup. Il tira peut-être mieux qu'à moi, j'ai une tête un peu grosse. C'est la sienne. C'est une voiture, c'est une sortie de grange, c'est juste qu'elle est propre, mais il n'y a rien dessus qui est changé, donc je vais tomber en panne comme tout le monde. Mais c'est génial. C'est la peinture. C'est méga génial.
Ah ouais, du coup, là. Mais laisse-moi qu'il y a dedans, pour vraiment faire. Non, mais faut qu'on y aille, là, il y a un mec qui nous attend, il est en train de gueuler. Vas-y. Allez, let's go. Non, mais il vient de nous l'amener ou faut venir le chercher? Non, non, faut venir le chercher, sinon ça va être un bordel. Il nous l'amène, on l'aura bien soir. Ouais, mais elle est allée exactement à 900 mètres du centre-ville. Moi, je viens à pied, s'il faut. Donc, on a fait en anglais, c'est ça? C'est exactement ce que je fais à ta place. Oh, c'est génial. Franchement, elle est super belle ta caisse. Mec, j'ai l'impression que j'ai déjà. Je suis un peu jaloux. Et regarde, tu l'as là? Là, il n'y a pas d'essence. Là, il y a de l'essence. Faut taper dessus, c'est technologie russe. La fête, elle a déjà commencé dans mon compteur. C'est déjà la teuf de partout. Tu sais que je lis le cyrillique, mec. Ça me sert. Regarde, à rien. Elle est là-bas ta caisse sur un des panneaux. Le mec il m'a dit, mais vous avez une dépanneuse pour la ramener à Paris? Non. Oh non. C'était censé être celle qui roule. Mais il a dit qu'elle roulait. On a une vidéo où elle roule. Oh putain. Mais c'est moi, il y a un truc qui... Ah oui, il y a un truc qui sans le baiser. Oh, il va arriver comme un pet, il va arriver comme un pet. Attention. Et quand il tire le frein à main sur sa caisse là, ça débraille ou pas? Ouais, t'as écrit musique soviète. Non, mais rien. Oh yes. C'est beau. Mec, t'as gagné toi, fou. Refroidissement point arrière. Mais non, c'est, tu sais que c'est pour refroidissement moteur, ça. Refroidissement parce que le moteur. Non, attends. Il est dans le coffre. La voiture qui est là, Geoffrey est arrivé, Richard aussi, c'est donc la preuve que ce n'est pas la même personne. Tu vois quand même, ça répond à la tienne. La Golf Air de l'époque, tu vois. Ah, le mec qui m'a vendu ça. Elle est vachement plus raccourcie. Le mec qui m'a vendu ça, il m'a dit c'est quoi l'autre caisse? J'ai dit une Zaz, il me dit ça dépasse pas 60 à l'heure. Ça. Tu sais que c'est un V4. Ouais, c'est comme il y a dans les psychiatries. Le gars il a poussé, il a dû s'amuser, il a retapé ça au marteau. Mais on peut pousser parce qu'il y a du caoutchouc. Cette pièce-là s'emboîte sur cette pièce-là. Donc à mon avis, c'est plutôt lui qui va me pousser. Parce que regarde la gueule du machin. Moi, je veux voir le V4 là. Je veux voir la turbine. Bah attends, on va demander quand même. Ouais, et le coffre aussi. Tu mets de l'essence dedans et c'est le chauffage, c'est ça? C'est un brûleur, quoi. C'est une cheminée. Non, en fait. C'est une chaudière, mec. Mais oui, regarde. Non, mais mec, il y a une bougie là. C'est une chaudière. C'est. Ma bagage. Non. C'est rien que pour ça, ça valait le coup de venir, ah, les gars. Ouais. On est obligé de l'allumer, les gars. On est d'accord qu'on est obligé de l'allumer au moins une fois. La merde. Do you know where we can put oil? Yeah, to the left. You want to back last? Ah, okay. Perfect. Thanks. Au moins, on se le met. Voilà, ouais. On est là. Merci, monsieur. Je nous désire de la mort sur quatre roues. Plaisir de faire des affaires avec vous. Non. On conseille les positions merci. D'avance. Ça fait limite brouette rien. Quand tu vois les deux poignets, t'as envie de soulever. Et ça, tu vois, c'est le. Regarde, je vais faire le trappeur, tu sais, qui regarde les traces d'animaux. Et ça, c'est la trace de l'animal qui avait pas la bonne poignée. Et qui a bourriné un truc dedans. Mais ça veut dire que ça a été utilisé. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? T'en veux un peu dans le filtre air aussi, tu vois? Oh, mais non, mais arrête. C'est plein, hein? Mais putain. Mais non, regarde, comme ça, t'as une petite réserve en plus. Ouais, la petite réserve, elle va dans le cou, là. Elle va sous la voiture. Alors, critère, je sais pas pourquoi, je sens qu'il aura pas de voiture, en fait. Ouais. Ah, Geoffrey, refais-le. Allez, tape plus fort. Ça marche pas. Je sais pas si j'ai de l'essence, ouais. Le problème, c'est que la jauge marche pas. Ou elle marche, tu vois, elle va de là à là. En principe. Et ça monte jusqu'à ici. Alors qu'on a le plein. Alors la jauge en fait, c'est ça, c'est quand tu t'arrêtes. Si c'est mouillé, ça veut dire que c'est plein. Alors, c'est là que tu peux aller nouer. Regardez
start the car. You must pump your fuel. Okay. From here. So that every time or just when it's cold in the morning? It's when it's cold in the morning. Okay. And when the temperature is about 90, you can just push it. Yeah. Okay. Okay. Stop there. Yes. You said you put like a sound system in it? Yeah, but it doesn't work at the moment. From the, because the stereo thing fucked up. Okay. Like it broke. So nothing works at the moment? No sound. Okay, don't forget the stereo. We got sound. No sound. No sound. Okay. Oh là là, mais mec, c'est la caisse la plus propre de toute cette bagnole. C'est la meilleure bagnole. Mouche que je me suis sorti. Alors qu'est-ce que t'en dis? Eh ben écoute, je pense que je vais tous vous niquer. Je suis un peu jaloux là parce qu'il a clairement la meilleure caisse du voyage. Et putain, il va être bien là. Si tu regardes bien, il y a les roues qui sont un peu de... Un peu de biais là. Bon, moi vu que j'ai pas d'argent, je vais dormir dans la caisse à critères parce que c'est confortable. En vrai c'est pas mal. Oui, elle rentrera en France. Regarde, s'il pleut, tu fais juste un peu ça là, comme ça, c'est bon. Voilà. T'es sûr? Non, ça rentre pas! Putain, la batterie au milieu, ça doit être vachement important du coup, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Le ciel de toit, il est aléatoire. Gars, il est étoilé. Il est étoilé. Putain, mec, t'as des CD de techno estonienne. Ce qui est bien, c'est que si tu veux emmener la boîte chez toi parce que t'as peur de te faire voler tes affaires, tu peux. Du coup, je pense que l'allume-cigare derrière, il marche pas, à mon avis. Ok. T'as même un zippo, quoi. Mais à mon avis, si, file-le-moi, file-le-moi. Il fonctionne dans sa voiture. C'est à toi les 3 euros là. Ah non, non, c'est au mec, genre il a abandonné sa caisse, genre c'est bon, elle est vendue, il a tout laissé sa vie dedans. Okay. Là, on a les clés de son autre voiture aussi. Est-ce que t'as vu la largeur de mes pneus? Oui, c'est fat. C'est du quoi? C'est du quoi comme largeur? 175 R13. En fait, il a vraiment retourné la jante en fait. Ouais, on dirait. J'ai vu qu'il a Critère, il va tomber dans un bail sombre là, il va tomber dans le tuning russe et il va commencer à faire des compètes de drift en France avec ça. Est-ce qu'on a des pinces? En fait, moins tu payes et mieux la voiture elle est. Ouais. J'aurais dû acheter l'autre à 600 balles. Finalement, ce sera peut-être son dernier chapitre. C'est quand même un honneur. C'est vrai qu'il entre. Elle est morte attends, en passant le mur de Berlin. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on passe à trois la porte de Brandebourg là. À Berlin. Mais n'empêche que le mec il m'a dit. J'ai dit ouais, je lui donne pas cher à celle-là ou pas loin, mais il m'attend. Mais ça c'est russe mec. Ça s'arrête jamais. Le gars qui tu l'as acheté. Non. Le gars lui. Ah, j'avais cette caisse. Ah ouais. Il a dit mec, ça. Indestructible. En tout cas, ce qui est ouf, c'est que même les gens d'ici réagissent de ouf au bagnole. Ouais, c'est bon, on nous a pris plein de fois en photo là. Il y a de l'histoire, il y a de la nostalgie. Ouais. Non. Je pense que ça se redresse au marteau et à la faucille. Voilà. C'est bien. Parfait. Mais c'est quoi le bruit là? C'est l'embrayage. Comment on a gradé quand ça fait ce bruit là? Il est vrai, c'est normal, elle prend tout ça. Ah ouais? Ah, c'est normal. C'est la butée d'embrayage. C'est encore pire, moi, ça. C'est la butée d'embrayage. Mec, t'inquiète, t'as la meilleure bagnole. T'as la meilleure bagnole. Et la question de base, on devait pas partir à 10h. Oh, il est quoi? Mais il est 10h. Ouais. Alors, quelque part dans le monde, il est 10h. Vous êtes vraiment des glands. Hein. Toi, t'as pris ça, c'est ça? Zaporozhets. La direction est vraiment pas mal. Hein. Ouais. C'est une légèreté. C'est une. On dirait une Jeep. Bah, sur une voiture qui pèse 600 kg, c'est un peu normal. 720. Ah ouais, toi c'est bien. Putain, ça sent l'essence à mort, mec. Ouais. Quoi, t'en veux un peu dans le filtre air aussi, tu vois? Mais non, mais arrête. Tu sens qu'elle a de l'assurance, tu vois. Ça, c'est de l'assurance soviétique. Voilà. Tu sais que tu ne vas jamais tomber en panne. C'est quand même l'avantage par rapport aux autres. Au grand jamais. La qualité. La qualité. La qualité. La qualité ukrainienne.
Ouais.